Alors, bonsoir, bonne nuit. Donc on a terminé la série hier soir, du coup. Déjà en Q, entre 5 Q à 1 Q par palier. Et il nous reste encore à faire disons, le bilan, la conclusion qui fait les caractéristiques d'un joueur, justement, de 5 Q, 4 Q, etc. Et on va essayer de trouver quelques idées qui peuvent être des axes de progression du coup à ces niveaux différents. Alors oui, je sais ce que vous devez vous dire pour cette vidéo, c'est-à-dire que Râleur est capable de porter 2 jours de suite le même pull. Bien oui, j'en suis capable parfaitement et on défie la chronique avec un degré de banalité assez considérable. Alors avant de commencer cette vidéo, pour l'introduire justement, j'aimerais venir sur une citation qui a été faite par le joueur professionnel Ota Keideo, qui définit justement les niveaux Q jusqu'à Dan. C'est-à-dire qu'en fait, justement, selon lui, à un Dan, il semblerait qu'on ait acquis et qu'on soit capable, dans une certaine globalité, toute proportion conservée, d'appliquer justement ces principes de base, ces fondements théoriques, justement dans notre jeu. Donc à un Dan, on acquiert les bases, et selon lui, passé ce niveau de un Dan, on développe ce qu'on appelle un style de jeu. Et assez paradoxalement, les joueurs justement qui sont d'environ, disons, assez haut Q, donc c'est-à-dire plus ou moins à partir de 5-6 Q, justement invoquent souvent cette chose-là lorsqu'on est en discussion ou analyse de partie, c'est-à-dire justement mon style de jeu. Et souvent, il le caractérise par des choses qui sont un peu étranges, c'est-à-dire je suis territorial, ou je suis à aimer l'influence, ou à aimer les moyaux. Or, ce n'est pas un style de jeu, ça, c'est un outil. Le territoire est un outil pour être territorial est un outil pour avoir plus de territoire que son adversaire. Faire de l'influence est un outil pour arriver à plus de territoire que son adversaire. De la même manière que pour un moyeu. C'est juste des outils, des moyens, mais bah, en aucun cas il ne s'agit de style en fait. Et je ne dis pas que ce style, je ne serais pas comme Ota Keideo, c'est-à-dire que selon lui, justement, ce style que les joueurs en cube peuvent invoquer, vu que justement ils n'ont pas les bases, sont en fait des erreurs. C'est-à-dire que des mauvaises compréhensions du jeu, et ils pensent que c'est leur style, alors que pas du tout, justement, ce sont des mauvais coups. Alors, je serais plus nuancé que Ota Keideo, dans la mesure où justement, je pense que le style de jeu d'un joueur est contenu en germe, dès ce moment-là, malgré tout chez lui. C'est simplement que celui-ci étant à un stade embryonnaire, il est presque inutile, dans la mesure où il est impossible, ou presque, de définir justement votre style à ce niveau-là. Justement parce qu'il y a trop d'erreurs dans le jeu et que c'est trop complexe justement d'en discerner quelque chose. Et même par exemple à plus haut niveau, par exemple si vous regardez les parties que j'ai pu jouer dans cette série, je ne suis pas convaincu que vous seriez capable de pouvoir donner un style à mon jeu. C'est vraiment quelque chose qui est très singulier et qu'on développe avec le temps, mais aussi avec notre niveau qui s'élève. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc passez ceci avec le commentaire de Takehideo, j'aimerais venir sur en fait, ce n'est pas pour rien que je l'ai cité, sur en fait cet ouvrage, donc je vous le montre, voici, qui a été écrit justement par Takehideo. Ça s'appelle justement Les principes d'ouverture fait avec facilité. Donc en fait, ici, dans cet ouvrage, on a Takehideo qui propose dans une, disons, vingtaine d'éléments de réflexion, comme les bonuki, le Fuseki, ce qui est une force et ce qui en fait ressemble à une force mais n'est en fait qu'un groupe stable. Justement, cette idée qui font justement la base de votre jeu. D'ailleurs, notre jeu à tous en fait, quelque part. Même si on change dans les idées de coups, on regarde les mêmes choses. Ça, c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez avoir confiance dans votre jeu là-dessus. Et cet ouvrage, du coup, je vous prie de m'excuser, en fait, comment dire, je le recommande énormément, parce qu'en fait, il n'est pas très cher. Et si vous avez peur de l'anglais malgré tout, sachez que l'anglais, dans les livres de jeux de Go, c'est quelque chose d'extrêmement rudimentaire, donc
Si vous avez fait normalement un petit peu d'anglais en collège, c'est tout à fait accessible et au pire, vous prenez votre téléphone portable et vous tapez les mots que vous ne comprenez pas sur Internet pour avoir la traduction. C'est largement suffisant. Bien. Alors ceci étant, on va arriver justement avec les 5 U maintenant. Je tiens juste à préciser, ces constats, ces conseils, ont été produits à partir d'une moyenne de joueurs, c'est-à-dire que plusieurs parties ont été jouées justement. Et il y a certaines récurrences, corrélations, on va dire des urgences qui sont peut-être à corriger. Mais il est possible que vous ne vous sentiez pas concerné par cela, que vous pensiez que vous, par exemple, imaginons, je suis, moi, un joueur de 5U et j'estime que ce qui a été dit comme conseil à 5U, j'en ai pas besoin. Et en fait, j'estime que c'est ceux qui sont à 3Q qui sont ceux qui vont m'aider. C'est une possibilité, vraiment. Et dans ce cas-là, c'est à vous de savoir, en fait, jusqu'où vous voulez placer votre légitimité, ou en tout cas votre confiance, dans les propos que je vais donner. Donc, ce n'est pas une imposition, vous en faites ce que vous voulez. Et maintenant, on peut partir justement sur cette analyse. Donc, à 5Q, comme je le disais. Donc à 5Q, déjà, si vous aviez une question, entre 5Q et 6Q, en vérité, il n'y a pas vraiment de différence de niveau. Un 5Q et un 6Q ont un niveau vraiment extrêmement similaire. Pourquoi je parle de ça? Parce que justement, un 5Q et 5Q, il n'est pas 6Q. Pour une raison, en fait, qui est assez particulière, dans la mesure où justement, le 5Q va chercher, en fait, à être actif tout au long de la partie. Et c'est justement une caractéristique qu'on retrouve chez les 5Q, qu'on reverra d'ailleurs, qu'on retrouvera plus tard avec les 2Q. Cette idée de refuser à être passif. Le problème étant, c'est que ce refus de passivité, d'ailleurs vous avez pu le voir dans la première vidéo justement, amène de manière un peu trop ponctuelle à des groupes faibles et de l'incohérence dans le jeu. Donc justement, on va passer avec cette idée de groupe faible. Et ensuite, on viendra avec cette incohérence du jeu, justement. Je vais vous montrer une illustration sur le plateau, pour que vous puissiez voir. Déjà, en première chose, qu'est-ce qu'un groupe faible? Bien, il faut déjà savoir les trois états, les trois statuts d'un groupe. Vous avez un groupe fort ou vivant, vous pouvez l'appeler vivant ou fort, comme vous le souhaitez. Ce n'est pas une force, hein, un groupe fort. Enfin, un groupe fort est toujours une force. Et une force n'est pas toujours un groupe fort. Faites attention à cela. Vous avez ensuite le groupe stable. Et enfin, le groupe faible. Bien. Passons à l'exemple en A, ici, à présent. Un groupe fort, ou un groupe, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'appeler vivant, est un groupe faisant que vous pouvez assurer avec certitude, même si vous ignorez la manière, qu'il possédera 2 yeux. Dans tous les cas. Ici, en l'occurrence, par exemple, je vous ai montré le Shimari. Et ici, dans cette réserve de points que je viens de vous dessiner, vous pouvez assez facilement envisager de savoir qu'il y aura 2 yeux. C'est une certitude. Normalement, à 6Q, je pense que vous le comprenez déjà, et à 5Q également. Maintenant, passons au groupe, justement, si vous le voulez bien, en B. Alors, pour les personnes qui ont envie de sourire un peu de moi, vous allez me rétorquer, justement, que le groupe en B n'est pas un groupe, mais une pierre. Personnellement, je pars du principe que lorsqu'on décide d'investir une pierre, qu'on ne veut pas la sacrifier. Parce que ça arrive parfois qu'on veuille sacrifier des pierres, mais en l'occurrence, un rocher en premier coup de partie, c'est rare qu'on ait envie de la sacrifier, la pierre. Donc, bref, une pierre qu'on ne veut pas sacrifier dans notre stratégie de jeu est déjà un groupe. Parce que vous savez de toute façon que vous allez travailler avec elle. Bien, alors passons ici. Ici, on va compter les directions. Les directions, c'est quelque chose que je parle souvent dans mes vidéos. Donc, comme vous le voyez, ces 2 sauts d'intersection à une distance d'intersection sans toucher de pierre adverse. Ici, en l'occurrence, comme on est en 4e ligne, on pourrait aussi parler de cette direction comme d'une base de ligne. Imaginez si Noir joue en F17 ou en G17, Thierrier, il a une base de vie. C'est en effet possible. Et du coup, la base de vie est un équivalent à la direction. Donc, essayez de songer à ces 2 possibilités quand vous êtes en 3e ou en 4e ligne. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider pour cet exercice. Donc, une direction, une base de vie sur le bord nord, une seconde, ici, comme vous le voyez, sur le bord ouest, et une autre, comme vous le voyez, vers le centre, toujours avec une distance d'intersection.
Ensuite, le Hoshi a un cas très particulier au sens où justement, il possède une direction au salsal. On ne parlera pas de base de vie pour la direction au salsal, justement parce que comme vous le savez, on peut envahir un Hoshi en salsal. Donc vraiment, on parle plutôt ici de direction. Et en fait, vous voyez qu'on possède quatre directions. Les quatre directions, en fait, vous pouvez les voir un petit peu comme les bords ici des plateaux. Par conséquent, un groupe ne peut pas avoir plus que quatre directions. Donc ici, comme vous le voyez, le groupe en B est un groupe extrêmement stable. On ne peut pas faire plus stable avec quatre directions. Si un groupe possède jusqu'à deux directions, ou alors une base de vie et une direction, c'est un groupe qu'on appellera comme stable. Un groupe qui possède seulement une base de vie mais aucune direction, ou un groupe qui possède seulement une direction et pas davantage, est un groupe qu'on appellera faible. Et à ce moment-là, ça devient un impératif, une condition de jeu, de devoir rajouter un coup pour protéger le groupe. Ça veut dire qu'un groupe stable, vous pouvez, même s'il va devenir faible à la prochaine attaque, envisager le Tenuki. Et bien sûr, vous pouvez rajouter une pierre si vous ne voulez pas subir une attaque. Bien. Ici maintenant, passons au groupe en C. Le groupe en C, vous allez me dire, il a une base de vie, qui est l'équivalent d'une direction, très bien, et une direction vers le centre. Si vous aviez tendance à dire qu'il en a deux, il ne possède pas deux directions ici, hein, vers le centre. Il possède deux moyens d'accéder au centre. Mais à chaque fois, vous voyez qu'on va vers le centre, donc vers la même direction. Donc en fait, il s'agit de simplement une base de vie, une direction. C'est un groupe stable dans son plus strict appareil. Mais imaginons à présent que ici vous avez le noir qui décide de rajouter un coup. Quel est le statut du groupe de blanc? Ici il est toujours stable en l'occurrence. Il n'a plus cette direction parce que sinon il touche une pierre noire. Il possède toujours celle-ci et possède toujours la base de vie. Très bien. Maintenant imaginons que le noir rajoute un énième coup comme vous le voyez ici. Quel est le statut à ce moment-là du groupe? Eh bien, le groupe est à présent faible, simplement une base de vie. Et c'est là que ça devient urgent de rajouter des coups pour justement vivre. Et comme vous le voyez, on va donner des échanges. Ici, par exemple, on vient de donner un mur, une force, donc, même si elle est stable, comme vous voyez, avec deux directions, c'est déjà une force parce qu'il n'y a pas de faiblesse dans l'intégrité de la forme. Donc c'est un mur en plus d'être une force, qui justement peut aider à la construction. Ici en l'occurrence par exemple des points sur le bord justement à l'ouest. Donc c'est une notion, quand vous l'avez, il va falloir travailler avec pour savoir ce que vous voulez donner dans vos parties. Souvent on vous conseille de rajouter un coup à un groupe stable qui a genre deux directions, une base de vie, une direction, mais c'est à vous de choisir ce que vous en ferez. Mais en revanche, lorsqu'il est faible, vous ne devez pas l'ignorer, sinon ça amène à du drame. Bien, je vais accentuer un peu le propos. Imaginez ici la pierre en Q3. Le groupe, si vous préférez, comme vous voulez, combien a-t-il de direction? Bien, normalement, ici, vous devriez me rétorquer qu'il possède une base de vie, ou bien une direction, c'est comme on veut, sur le bord est. Il possède également une direction, comme vous le voyez ici, vers le centre. Et il possède également une direction sur le bord sud. En effet, il a trois directions. Très bien. Et maintenant, lorsque blanc approche, combien possède-t-il de directions? Bien, à ce moment-là, il n'en possède plus que deux, comme vous le voyez. Et là, je viens de vous donner l'information d'une chose, c'est-à-dire qu'un groupe faible, on ne sait jamais comment l'attaquer. Bien, c'est la même manière que pour se stabiliser, on retire une direction. On ne touche pas les pierres, on retire simplement une des directions qu'on juge importante pour lui, par exemple ici en R5, et cela fait déjà une attaque. Pourquoi ici on préfère jouer en R5 par exemple plutôt qu'en O3? La réponse est simple. Justement, comme on l'a vu, un Shimari est un groupe qui est déjà vivant. Donc ça veut dire que c'est la plus belle direction que Noir puisse obtenir ici, dans ces trois-là. C'est pour ça que Blanc vient visuellement ici et pas ailleurs. Maintenant, imaginons que Noir Tenuki. Comment Blanc peut prendre avantage justement de cette situation? Eh bien, souvent à CQ, j'ai remarqué qu'on aura tendance à répondre en F3. Ou alors répondre en C5. Et à 5Q aussi, ça arrive assez souvent, il faut croire. Et on pourrait simplement se dire, bah, on peut imaginer plein de coups pour simplement retirer la direction. Ce coup, en effet, retire la direction du centre, par exemple. Ce coup est un coup de contact, donc ce n'est pas un coup d'attaque. Il retire une direction, même s'il a
n'attaque pas, mais combat, pour amener un mur et un renforcement, avoir une force ici pour lutter face au Shinari. Je peux vous l'expliquer juste après. On peut imaginer ce coup-là aussi. On peut imaginer également ce coup-là. Ce coup-là, en soi, retire la direction également. Ce coup ici aussi. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des champs des possibles à partir du moment où vous comprenez ce qui est stable, ce qui ne l'est pas, et comment justement retirer de la stabilité. Bien, maintenant passons par exemple au coup en B. On imagine l'écrasement, comme je le disais, et maintenant en fait on peut simplement revenir là. On peut même envisager le kick ici, ce n'est pas nécessaire. Et justement, on va terminer la séquence très rapidement, voilà, imaginons cette séquence. Je parlais justement de lutter contre le Shimari ici de noir. Ce n'est pas anodin. Pourquoi je vous ai parlé de cette chose, de lutter contre le Shinari? Ici, vous voyez qu'en fait, blanc prend une extension de son mur. Mais il y a autre chose qui est liée à ça. D'ailleurs, vous le verrez aussi si vous achetez l'ouvrage. Alors, c'est un peu triste, l'ouvrage a passé son 20e anniversaire, il me semble, de publication. Et par conséquent, il est passé de 8 euros à quelque chose du genre 17 euros. Donc je suis un peu désolé. Normalement, je ne recommande pas des ouvrages qui coûtent plus que 10 euros. Enfin, plus que 10 euros, plus que 15 euros. Par principe, parce que c'est... On ne sait jamais, en fait, si on peut investir ou pas de l'argent, et le jeu de go doit rester quand même un endroit de plaisir, et pas un investissement financier. Bref. Ici, en fait, on parlera d'extension de Shimari primaire. Ici, on se pose la question, quel coup entre K17 et R10 serait la meilleure extension pour le noir? Eh bien, si on imagine ce coup-là, comptez l'ensemble de cette zone en termes de points. Vous apercevrez que noir fait moins de points s'il avait joué juste ici. Tout simplement. Et cela vous donne la première indication de ce qu'est une extension primaire d'un Shimari lorsque vous faites plus de points d'un côté plutôt qu'un autre. Déjà, première indication, d'accord. Imaginons maintenant qu'on va vers le centre. Souvent, en jeu de go, on prend position sur les coins, puis les bords, et on se développe vers le centre. Donc c'est l'aspiration naturelle, du coup, de l'extension du Shimari. On remarque une chose, c'est-à-dire la liaison virtuelle entre les pierres, ici en l'occurrence, de noir. Vous voyez qu'elles travaillent bien ensemble. Il y a une synergie. Ça, c'est ce qu'on appelle donner du sens entre nos pierres. C'est quelque chose qu'à 5Q, vous devrez apprendre à travailler et que vous négligez parfois trop souvent. Et si on imagine la même réflexion, soudainement, imaginons avec le Tobi justement, comme je vous le disais, vous apercevrez que cette fois-ci, il n'y a pas une cohésion aussi évidente sur la même ligne, j'entends. Vous voyez ici, on doit rechuter une ligne entre les pierres. Donc on fait moins de points, la cohésion est moins affirmée, ce qui veut dire qu'il y a possiblement des choses d'entrée possibles à blanc ici. Et cela vous donne l'extension secondaire, celle qui fonctionne le moins concrètement, le moins rapidement, et l'extension secondaire. Ici, dans l'ouvrage de Takehideo, l'extension en fait primaire du Shinari serait en fait en K3, à cause de la forme où blanc peut venir trop facilement en G3. Alors, imaginons par exemple, disons un joueur, G3 est un coup de forme assez pénible. C'est-à-dire que si vous prenez l'extension, on s'aperçoit que ce coup-là, qui donne appel à D3, parfois on peut même jouer D3, détruit le coin. Mais avec le go contemporain, depuis environ, je crois, 8 mois, on a tendance, malgré tout, à préférer cette extension-ci. Justement parce que ce coin, maintenant, on se soucie bien moins, en fait, du territoire qu'il nous donne que des possibilités. Et par conséquent, si on imagine vers le centre en 10, cela travaille également très bien avec nos pierres. Donc il n'y a pas, en fait, de raison de se sentir mal à l'aise à cela. Et on envisage moins l'approche en 4. Cependant, ça n'empêche pas que K3 est une bonne forme, fait empiriquement plus de points sur que cette extension à ce Shinari, et donne aussi plus de solidité. Mais cela, c'est à vous de voir. C'est quelque chose qui a été vraiment recontesté aujourd'hui avec le go contemporain, mais je pense que certaines vieilles théories peuvent être appliquées. Bien. Alors maintenant qu'on a vu cette idée en fait de cohésion entre les pierres au niveau des stabilités des groupes, on va regarder un peu une partie de 5Q. Si vous voulez, excepté pour les parties de 5Q, toutes les autres parties en fait, qui seront ici montrées dans la vidéo, je ne les ai pas regardées. Je les ai prises au hasard sur la salle KGS, justement pour vous montrer qu'il y a bien une cohérence dans les erreurs, c'est-à-dire qu'on fait à 3Q.
on peut retrouver les mêmes erreurs, vraiment. Et je vais juste pas vous donner quelque chose de très précis, mais des points qui me semblent essentiels. Des incompréhensions, on pourrait dire. Bien. Ici, blanc s'étend vers le bord nord, donc il investit le bord nord, et noir essaie de récupérer le coin de blanc. Et blanc refuse. Ici, c'est ce qu'on appelle un non-sens. Blanc a décidé de travailler avec sa position nord. Pourquoi ne veut-il pas simplement continuer la cohérence entre ses pierres et venir justement ensuite dans cette position et blanc vient ailleurs et joue autre chose? Eh bien, c'est justement ce qui va nous ouvrir au second point, justement, quand je parlais de cohérence et pierres. Je pense qu'il y a ce réel problème, c'est pas simplement dû à des incompréhensions du Fuseki, ça je pense que c'est plutôt bien compris chez les 5Q. Mais justement, on fait un non-sens ici, et regardez le drame qui va se produire dans la partie. Vous allez voir, ici maintenant. Noir a finalement récupéré le coin de blanc, d'accord? Et blanc approche un groupe vivant de noir, qui est une force. Vous voyez, ici on sait qu'il y a un œil, on devine l'œil qui est placé ici en A17. Et blanc, s'il se fait pincer, il devient déjà faible. Il y a donc un manque de respect de la force. Tout simplement parce que blanc en fait a peur que noir puisse se développer. Mais dans une partie de go, vous pouvez vous développer comme votre adversaire a également le droit. Vous ne devez pas empêcher quoi que ce soit de manière égoïste. On sanctionne, on retire les options, mais avant tout, on prend ce qui est bon pour nous, en priorité. Le but du jeu, je le rappelle, c'est d'avoir le plus de territoire, pas que l'adversaire en ait le moins. C'est un peu étrange comme tournure, parce qu'on arrive au même résultat. Mais si vous pensez comme ça, vous vous rendrez compte que des fois, la mesure est un peu étrange. Et noir, du coup, approche les pierres pour les pincer. En effet, ici, le groupe de blanc a une base de vie, une direction vers le centre. Deux moyens d'aller vers le centre, mais quand même une direction vers le centre. Donc il est relativement stable. Mais ce groupe-là à attaquer, vous voyez, est plus porteur, parce qu'il y a 4 pierres investies, que d'attaquer cette pierre. Donc pour l'instant, noir ne fait pas de problème dans cette partie. Les deux joueurs sont 5 et blanc kick et fait le mauvais échange qui fait que noir, maintenant, commence à avoir une position intéressante vers le bord nord. Et que fait blanc? Plutôt que de prendre soin de son groupe faible, car maintenant c'est un groupe qui est potentiellement faible, il joue par jalousie. Et se hâte, sans distinction, sans respect de son groupe, directement sur le bord potentiel de noir. Et refuse un quelconque développement possible. Le problème, c'est que dans la partie, noir joue autrement. Mais si noir retire simplement la direction, par exemple de cette façon, blanc va devoir vivre localement, vous êtes d'accord? Et noir obtient une gueule de tir. Et avec cette gueule de tir, en fait, noir obtient une force. C'est un mur qui va jusqu'à la quatrième ligne, mais qui plus est déjà vivante parce que grâce à cette gueule de tigre, il obtient deux yeux qui sont probablement présents, comme je vous les ai montrés en triangle. Mais au-delà de ça, cette force fait autre chose. Elle est une pince de la pierre en O17. Ce qui veut dire que blanc en O17 a un groupe potentiellement faible, blanc en C13 a un groupe potentiellement faible, et ici, blanc en or a survécu sur son propre bord, sur lequel il était le premier à investir avec le coin F16. C'est clairement quelque chose de catastrophique. Tout ça parce qu'il a refusé d'écouter que noir ait le droit aussi à quelque chose. Vous voyez un peu ce raisonnement qu'on peut avoir en fait. Et justement, je pense qu'en fait cette erreur, je vais vous la remontrer sur une autre partie de 5Q, comme ça. Regardez, blanc vient là. C'est purement un coup de jalousie. Pourquoi ne pas s'étendre? Simplement être d'accord avec notre bord. On a le droit de se développer. Le bord est intéressant, c'est le bord le plus large, après celui-ci, parce que celui-ci n'est plus le bord le plus large, depuis que noir a une position ici. Donc il a moins de potentiel, il n'est même pas en direction des pierres blanches, plus ce bord. Et noir s'étend et blanc joue ailleurs. Un Sansan ici en l'occurrence, ou R6. C'est déjà suffisant. Et pourtant à 5Q, on retrouve souvent cette chose-là. Pas faire attention à ces groupes. Et juste refuser que l'adversaire ait le droit de se développer. Et par conséquent, dans la partie, noir va juste prendre sa base de vie. Et blanc joue un coup à l'aisselle, un coup qui appelle au contact, donc au renforcement des deux groupes, c'est-à-dire des groupes de blanc, mais du groupe de noir également, ce qui fait que noir récupère le coin sans agir. Et quand noir descend, blanc rajoute un coup. Ça, c'est un coup qui est inutile, je pense, maintenant que vous devez le voir. Pourquoi? Ici, blanc a une base de vie grâce à N3, et L3, et une direction vers le centre.
d'accord, de moyens d'aller vers le centre, comme vous voyez. Donc, qu'est-ce que ce quoi apporte en plus? Le groupe était stable et il est à nouveau stable. Il a simplement fait quelques points en plus, plan. Pour être exact, il a fait 2 points en plus. 2 points à ce moment de la partie, je pense qu'on peut être plus optimiste dans la vie. Et par conséquent, c'est un coup d'IEC. Et noir continue. Blanc protège son coin parce qu'il y a de la chi. Noir valide son coin également. Et blanc rejoue ce même genre de coup. Sans se rendre compte qu'en fait, déjà à ce moment de la partie, noir possède plus de points, possède plus de développement extérieur, contrairement au groupe de blanc qui sont tous à peine stables ou enfermés carrément dans son propre coin. Et on y perd du coup tout le sens du jeu, qui est de faire travailler les pierres entre elles. Vous voyez un peu cette chose-là à 5Q qu'on retrouve énormément. Et ça, je pense que c'est dû à quelque chose, c'est-à-dire à une erreur en fait d'estimation des parties. On a du mal à compter à ce niveau-là les parties, et je pense que ça deviendrait essentiel en fait de compter un minimum justement. Alors je ne vous recommanderais pas de compter toute la partie, ça ne sert à rien, vous allez vous fatiguer pour pas grand-chose, et de toute façon, c'est quelque chose qui risque de influencer votre jeu si vous comptez constamment. Je vais vous proposer de compter à 3 moments dans la partie. À la fin du Fuseki, vous prenez en compte les territoires et stimulez. Ce n'est pas grave d'avoir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le résultat exact. Vous avez juste besoin d'estimer plus ou moins. C'est pas grave si l'erreur est à 15 points, l'erreur de comptage, pour savoir qu'est-ce qu'a blanc, qu'est-ce qu'a noir. Vous prenez en compte le Sente. Si une partie est relativement équilibrée entre les deux joueurs, le Sente à la fin du Fuseki vaut plus ou moins entre 7 et 15 points. Ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe faible, hein. Forcément, sinon ça vaut beaucoup plus. Et à ce moment-là, vous prenez en compte vos calculs avec le commis, et ça va apprendre à modérer votre jeu plutôt que de jouer par jalousie et à prendre conscience que vous aussi vous avez du potentiel. Ici, par exemple, pour ce faire, je peux vous proposer cet ouvrage. Alors, regardez un peu ici. Voilà. Qui est en fait Positional Judgment, Ice Pet Game, Analyse par Shoshikun. Et vous voyez que mon anglais est catastrophique à l'oral. Heureusement que je sais à peu près le lire. Et cet ouvrage-là, je le recommande plutôt à 4Q. Mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait être pas mal pour vous, je pense. Au moins d'essayer un petit peu pour avoir cette idée d'approche. Ici, je vous fais un petit teasing qui est justement dans l'ouvrage de Shoshikun, si un jour vous envisagez de l'acheter. C'est-à-dire que ici, noir va jouer là. Et que doit faire blanc? Eh bien, j'imagine que si vous êtes entre 5 et 6Q, la grande envie qui va vous venir, ce sera de jouer ici. Fermer votre zone, valider cet ensemble de points. Mais si noir est d'accord avec ce résultat, par exemple, voilà, et donne toute la fermeture de blanc, et qu'à présent il joue ici. Noir se développe beaucoup trop. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Là, ici, même si. Alors, si vous vouliez compter, noir fait environ. Ici, tac, 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 tac. Avec ce groupe-là, il possède presque 100 points. Blanc n'a pas 100 points. Ici, dans la partie. Il est trop en retard. Et pourquoi? Parce qu'ici ça va faire 4 points, ici ça fait 15 points. Oui, cette formation fait à peine 15 points avec de la chi dans le coin. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Vous le verrez dans cet ouvrage si vous voulez le lire. Et ici je pense que blanc doit avoir quelque chose du genre 50 points maximum. Donc vraiment il y a un gros retard ici pour blanc. La partie est presque finie ici. Donc, autre réflexion, j'imagine, si vous êtes à ce niveau, à 5Q, vous allez avoir envie d'envahir. Et c'est complètement légitime. Mais souvent, vous envahissez de manière étrange. Par exemple, ce genre de coup. Et ce genre de coup, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Si on se réfère à la stabilité des groupes, combien de directions possède la pierre de blanc? Ben, c'est pas une base de vie ici, parce qu'on est un coup à l'aisselle. Donc on va arriver dans du contact, d'accord? Donc on a une seule direction, c'est vers le centre. Donc vous avez créé un groupe faible en essayant d'envahir l'adversaire. C'est quelque chose qu'on évite de faire à tout prix. Vous devez au moins avoir deux directions lorsque vous tentez des invasions, des choses comme ça.
Ou alors vous entrez en cours de contact, mais ce n'est pas forcément utile parfois. Ici, en l'occurrence, par exemple, si vous envisagez un cours de contact comme R15, quelle est la zone à réduire? Est-ce que c'est le centre ou est-ce que c'est le bord? Vous voyez, c'est plutôt le centre. Donc les cours de contact, ce n'est pas forcément la solution à tous les problèmes de la vie. Ici, la bonne réponse serait plutôt ici. La réponse est simple. C'est-à-dire que, à plus haut niveau, je pense, vers quelque chose du genre 3 ou 2Q. Normalement, un 3 ou 2Q devrait voir qu'il y a le coup qui offre beaucoup de stabilité en A, le coup qui offre également beaucoup de stabilité en B, et également l'aplatissement qui permet d'envisager possiblement de sortir cette pierre. Mais on peut aussi envisager de la sacrifier si on imagine quelque chose en C. Et au-delà de ça, à plus bas niveau, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une lecture phénoménale toujours, regardez simplement cela. Vous possédez une direction qui va sur le nord. D'accord, première information. Et vous possédez une autre direction vers le centre, ou dire ici comme c'est partagé au niveau de la direction sur le bord est. Vous avez donc deux directions. Même si vous ignorez les coûts à donner, ici, vous savez déjà que le groupe est stable. C'est déjà la première information justement pour commencer et avoir des idées, même si vous ne connaissez pas toute la théorie. Et si on imagine par exemple le flow de la partie et que Noir essaie de relier les pierres, là on va envisager un coup de souquet. Et va essayer justement de se donner une capacité de faire une base de vie un jour ici, par exemple en prenant une gueule de tigre. Mais il va continuer l'effort, c'est-à-dire qu'ici, dans la réfutation, il va jouer justement un coup à l'épaule. Justement parce qu'on a dit un coup de contact appelle au renforcement des groupes. Noir va donc essayer de déconnecter les pierres, mais blanc se relie. Et noir va prendre sa base de vie parce que sinon le groupe est devenu faible. Et maintenant, vous vous rendez compte que blanc a une meilleure sortie dans les deux directions qu'il avait déjà. La capacité d'envisager une base de vie un jour avec un coup comme R12 ou R13. Donc, blanc a réussi sa réduction. Et maintenant, noir tient environ quelque chose du genre 5 points, je dirais. Il possède ici environ 10 points. Et comme on a dit, blanc ici avait déjà 15 points. Donc, blanc a plus de points. Ici, il a 4 points, plus le commis, ça fait 10 points déjà d'avance. Cette forme-là ne fait pas de points pour l'instant. Ici, noir a environ 30 points. Donc, ça veut dire qu'avec la déduction avec le commis, ça veut dire que blanc, il faut, pour qu'il soit au moins égal dans la partie, ait au moins 20 points dans cette zone. Je pense que c'est largement envisageable, dans la mesure où blanc, en plus, ici, a le commis. Le sente, je vous prie, excusez. Vous voyez un peu cette idée? Donc, vraiment, essayez, justement, à 5Q, c'est vraiment un conseil que je vous donne, de travailler en connaissant ce qu'est un groupe faible. Un groupe faible, on l'attaque en retirant les directions, on ne joue pas des coups de contact. Ou alors, si c'est vous qui êtes faible, vous donnez un coup qui va vous donner deux directions, ou alors une base de vie, une direction, au choix. Et ceci étant fait, vous faites en sorte que vos pierres, derrière, aient un minimum de logique. Pas jouer par pure jalousie, et pour ce faire, vous allez apprendre à compter. À ces trois moments de la partie, donc, fin de Fuseki, Chuban et l'entrée du Yossé. Pour les plus acharnés, je peux même vous recommander de compter à partir du petit Yossé ou du Yossé. C'est un bon exercice et de toute façon ici ça n'influencera pas beaucoup dans le mauvais sens dans la mesure où justement le Yossé, justement le petit Yossé, c'est quelque chose justement où il vaut mieux compter pour faire les meilleurs coups. Bien, on passe à 4Q. À 4Q, là c'est beaucoup plus différent le jeu. On a un jeu qui cette fois-ci est énormément centré sur le combat. Ici je parle pas d'attaque, je parle de combat. Donc vous allez voir beaucoup de coups forçants, beaucoup de tsuke, de coups de contact donc. Et on va commencer dès à présent justement pour voir cela. Et disons qu'en fait à 4Q je pense qu'il y a un fort goût de la lecture. C'est-à-dire qu'à ce moment-là ils aiment énormément le combat. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent très à l'aise dans la lecture des positions. Et ce n'est pas un mal. Le problème, c'est que souvent, et c'est ce qui va faire la différence entre un 4Q et un 3Q, le 4Q ignore complètement le principe de ses formes. Et par conséquent, il va souvent arriver au drame, combattre dans des positions où il ne devrait pas, pour batailler, pour capturer une à deux pierres, ou faire 6 points dans une position complètement enfermée. Et c'est souvent le problème. Et on va regarder ça, justement. Alors, on ne va pas commenter tous les coups.
Ici, c'est pas un bon coup, d'accord? On est d'accord. Si on voulait travailler avec la pierre en C4, on prendrait un Shimari en F3. Donc probablement qu'on jouerait en R5 avant, en espérant que Noir joue Q4 et enfin on prendrait un Shimari. Et si on voulait travailler en fait avec la pierre en D17, on jouerait en fait au moins au C11. Donc on va pas commenter tous les coups, sinon c'est compliqué, on va juste commenter ce dont je parle. Ah. Alors ça, là, un instant, je vous prie de m'excuser. Ça, c'est quelque chose que on remarque plus à 3Q. Justement, parce que comme ils connaissent mieux les formes, ils sont encore plus confiants dans leur combat. C'est d'approcher justement une force, un groupe vivant ici, qui plus est, très près. Et si on imagine que Noir pince, ce qu'il a fait dans la partie, vous vous rendez compte que Blanc est déjà faible. Donc c'est catastrophique pour Blanc. Créer un groupe faible à partir du 9e coup, c'est vraiment pas quelque chose à envisager. Et justement, c'est plutôt à 3Q généralement qu'on retrouve ça quand même. Mais ça va avec cette idée, ce goût du combat justement. Et une montée, Noir stabilise, et ouais, il stabilise pas très bien parce que Blanc peut prendre le Shimari. Et Noir Tenuki. Voilà ce que j'appelle cette idée de combat. Ici, il faut remarquer une chose dans ce qui s'est passé au sud. Pour l'instant, ça n'a été que de l'attaque, ça n'a pas été du combat, de l'attaque et de la stabilisation. Ici, vous remarquez que Blanc possède deux directions, mais où? Vers le centre, et ici, comme vous le voyez, vers le sud. Très bien. Noir possède une base de vie et deux moyens de venir vers le centre, comme vous le voyez. Très bien. Maintenant, il faut aussi remarquer une autre chose. C'est que cette direction est une direction de stabilisation pour les deux groupes, blanc et noir, qui est partagée. Ce qui veut dire que noir, normalement, devrait prendre son temps pour prendre un gain, c'est-à-dire celui de ne plus jamais être attaqué, mais d'envisager un jour, pas forcément maintenant, une attaque du groupe de blanc, en lui retirant sa direction. Blanc reprendrait deux directions. Et à présent, noir est beaucoup plus stable, blanc ne l'est pas davantage, hein, comme vous voyez. Au mieux, il a cette direction-là, mais elle n'est pas évidente à prendre tout de suite, justement à cause du Tobi qui est beaucoup trop fin. Et par conséquent, Noir maintenant peut jouer ailleurs et prendre un gain. Et ça, justement, c'est une idée de créer un flanc ouvert. Et si je me souviens bien, normalement, Blanc, ouais. Blanc ne prend même pas en compte, par exemple, ce coup-là, qui est justement la direction partagée. Donc ça veut dire que Blanc ici commencerait une attaque sur le groupe de Noir. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue un coup à l'aisselle qui appelle donc au contact, donc il joue du combat. C'est très violent ça comme façon de faire. Alors je suis d'accord, je comprends l'idée, ça retire la base de vie. Au-delà de ça, de toute façon, la base de vie ce n'est jamais qu'une direction, comme je vous ai dit, et ça ne vaut pas grand-chose. Imaginez par exemple si on avait retiré la direction, on avait cherché à se stabiliser, que Blanc par exemple avait proposé ce genre de coup, hein, par exemple, tout bonnement. Vous voyez que Blanc a validé un début de noyau. Et peut maintenant mettre la pression sur les pierres de noir de ce côté-là en conservant le coin. C'est beaucoup plus simple, en fait. Je vous dis pas que c'est les coups qui arriveront dans votre partie. Je vous dis juste que c'est les endroits où il faut être alerte. Et ça, créer du combat, c'est une volonté de terminer une partie, alors que vous en êtes qu'au début. Et maintenant, regardez. Noir obtient une gueule de tigre, donc un œil potentiel ici et un œil potentiel là. Et il possède toujours la direction ici. Ce qui veut dire que Noir est toujours aussi stable. Blanc a juste fait du yossé, en vérité. Pas davantage. Et Noir joue ça. Et c'est ça dont je vous parle, de cette incompréhension des formes. Il y a un œil potentiel, on est au coin. Jouer le coup, à quoi ça sert? Il était déjà là, cet œil potentiel. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Et simplement venir sortir en Tobi ou autrement, confirmerait aussi le coup en K4. Et justement, je vais vous donner cette astuce. Alors, personnellement, je pense à 4Q qui serait intéressant pour vous d'envisager d'étudier les joseki en profondeur, au sens où vous devriez essayer de chercher à comprendre pourquoi on joue un coup et pas un autre. Donc, essayer plusieurs variations pour comprendre justement ces idées de forme qui surviennent en fait dans les parties. Et je pense que ça pourrait être pas mal pour vous aider à mémoriser ces formes. Peut-être aussi, je pourrais vous recommander de voir un peu les bases de Fuseki, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et si l'étude des Joseki vous révulse un peu trop, je peux vous proposer la chose suivante. C'est un principe que j'aime bien appeler la lecture froide. C'est quelque chose d'assez évident parce que regardez ce que Blanc va faire.
Blanche ou là et noir répond ici. D'accord. Est-ce que vous connaissez le 4Q du coup, j'entends le nom de cette forme? On appelle ça un angle vilain. La lecture froide, en fait, va se baser sur les mauvaises formes, c'est-à-dire les formes déchirées et les angles vides. Derrière, si vous envisagez un coup qui vous donne une mauvaise forme, ne le jouez pas. Envisagez autre chose. Par exemple, ici, on pourrait envisager ça. Simplement. Blanc n'a pas gagné plus, hein, et de toute façon, il doit encore jouer un coup s'il veut vraiment supprimer la possibilité de faire un œil dans cette zone. On s'en fiche. C'est pas très très grave encore. Il y a du temps. On peut souffler. C'est pas de l'urgence. Et justement, ouais, Blanc avait joué ça. C'est un coup qui est un peu étrange, ça. Alors, je vois pas à quoi ça sert. Justement, Blanc crée du combat, c'est violent. Et en quoi ce coup-là combat la formation de Noir? Ben, en rien. Ici, en l'occurrence, en pas grand-chose, justement. Et ça appelle au mieux simplement à du yossé. Et déjà, vous n'êtes pas sûr d'arriver dans la partie jusqu'au yossé, c'est jamais. Donc il vaut mieux investir sur le présent plutôt que de regarder le futur en étant admiratif sans aucune raison. Et simplement ici, est-ce que ça donne autre chose? Pour aller me rétorquer, ça donne un œil potentiel aussi et une base de vie. Ok. Est-ce que vraiment c'est la bonne direction? Est-ce que ce n'est pas par exemple d'avoir envisagé le Boshi pour Blanc qui retire une direction aussi à Noir? Vous voyez? On peut jouer sur ces choses, sur ces notions et travailler, mais ça, vous le verrez en progressant un peu ces choses-là qui sont dites, et Blanc joue là. Et voilà ce que j'appelle la lecture froide, encore ici, qui va s'appliquer. Si Noir envisage comme il a fait dans la partie Latari, regardez ce qui va se passer, c'est assez sain. Voilà. Alors, vous allez me dire, il y a un traverse Toby, on s'en fiche d'un traverse Toby. Vraiment, souciez-vous que des formes déchirées. Ici, vous avez un Kama déchiré, vous avez un Nikken Tobi déchiré, un second Kama déchiré, et un troisième Kama, ici, déchiré. C'est catastrophique. Donc, si vous voyez une mauvaise forme dans votre séquence que vous êtes en train de lire, parce que je pense ici que Blanc a lu beaucoup, pour le coup en L4, parce que là, toutes les parties que je vous montre ont été des parties jouées en moyenne, il n'y a pas de blitz ou de partie rapide, c'est un temps moyen, à 30 minutes. Donc, je pense qu'il a bien réfléchi avant de jouer L4. Mais quand vous envisagez des coups comme ça, demandez-vous si vous allez obtenir des mauvaises formes. Si c'est le cas, n'envisagez pas ce coup, envisagez autre chose. Je dis pas de jouer ailleurs sur le plateau, hein. Si vous voulez continuer de combattre, faites-le. Mais ça va vous aider à combattre justement, à comprendre ces formes, que justement un 3Q arrive à comprendre, et qu'un 4Q a vraiment du mal à comprendre. Bien. Si cela vous va, on va passer maintenant au 3Q. Alors le 3Q, c'est quelque chose d'un peu plus ténu. Au sens où justement, je trouve que à 3Q, c'est vraiment une étape un peu de transition. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques qu'on retrouve chez les 4Q, c'est-à-dire c'est au bout du combat, qui est très fort, mais aussi des caractéristiques qu'on retrouve à 2Q. Notamment, par exemple, cette recherche d'être sente à tout prix. Et c'est plutôt une mécompréhension en vérité du sente que vraiment une recherche d'être sente. Vous le verrez avec cette idée de coup forçant notamment. Et c'est quelque chose qui est très très particulier, je trouve, justement à ce niveau-là. C'est que, ouais, à 3Q, on est vraiment dans une période un peu ingrate, où on pourrait valoir plus, mais on n'arrive pas à valoir plus, et on n'est pas complètement individualisé dans notre jeu. Et du coup, ici, je pense que justement, ce qui serait intéressant justement pour un 3Q à ce moment-là, c'est autre chose. Ce serait justement la recherche d'optimiser. C'est-à-dire le combat, savoir s'il est bon ou mauvais. Déjà, savoir si vous pouvez prévenir avant de le jouer. C'est-à-dire deviner déjà avec ce principe de voir les mauvaises formes, si c'est un bon combat ou pas un bon combat engagé, c'est déjà très bien. Mais au-delà de ça, je parle d'optimiser. Regardez par exemple ce coup-là. À quoi sert-il? C'est un coup, souvent on le voit plutôt avec le Tenuki, mais c'est un coup qui a été inventé en Taïwan. Je crois que c'était dans les années 1960. Vous allez vous demander quel âge que j'ai à ce moment-là. Mais c'est un coup assez horrible. Et en fait, il envisage de travailler en fait, avec le bas. On pourrait envisager une extension ici. Une extension, par exemple, en D14 prochainement. Et en fait, ici, on a plusieurs choix de propositions pour le noir. C'est A ou B.
A ou B sont les propositions les plus simples dans les variations de ces jeux équipes. Mais admettons, là on prend le coin, d'accord, pas de problème. Et noir vient ici. D'accord. Bien. Et noir Tenuki et 7 capture la pierre. Stop, la séquence est terminée. Maintenant il faut tout de suite savoir, c'est ça ce sur quoi je pense que les 3Q devraient travailler, c'est évaluer que vaut une séquence. Qu'est-ce qu'a obtenu noir ici? Noir a obtenu le coin. D'accord. Il fait combien de points noir là, avec le coin? Bah, depuis que blanc a Tenuki en G4, il fait 6 points. Potentiellement, il peut en faire plus s'il sort vers l'extérieur. Très bien, on a cette information-là. Qu'a obtenu blanc? Blanc n'a pas tout à fait capturé la pierre en F3, il faut encore qu'il rajoute un coup. D'accord. S'il capture la pierre en F3, combien a-t-il de points? Il a moins de 6 points. D'accord. Blanc, du coup, si on a dit qu'il devrait rajouter encore un coup pour faire moins de 6 points, c'est qu'il va être goté, donc reperdre l'initiative une nouvelle fois. Donc, c'était son coin, il était le premier dans le coin, il fait moins de points que son adversaire, et en plus il va devoir perdre l'initiative s'il veut faire à peu près autant de points que son adversaire. Ça veut dire que la séquence n'est pas bonne pour blanc. Et là, blanc doit s'en rendre compte et tout de suite envisager autre chose. Normalement, il aurait pu s'en rendre compte déjà avant. Comment? Tout simplement en voyant qu'il y a une extension à son mur qui est surconcentrée et qui retire simplement une direction de cette pierre, mais que cette pierre est très dure à tuer en fait, pour l'instant. On envisagera peut-être un kéma. Et vraiment, soyez alerte sur ça. Ouais. Je pense que à 3Q, il y a ça. Et on va voir. Ouais, capture ici. Bon, c'est incroyablement lent. Et justement, ici, je pense que ce serait beaucoup plus simple ici que blanc se rende compte justement que si c'est mauvais, cette stratégie, bah, d'envisager autre chose. Pour envisager quoi? Répondre au Hané, peut-être? Peut-être, j'en sais rien. Et je ne réfléchis pas spécialement, envisager un Shimari, ou alors approcher ici. Probablement qu'on approchera bas et pas haut, parce que justement, blanc a fait un gain assez rapide ici, en termes de territoire. Et justement, soyez alerte sur les échanges. Vraiment, c'est quelque chose que je peux vous conseiller à 3Q, c'est-à-dire quand vous voyez qu'un échange est... Comment dire? Essayez de savoir si l'échange n'est pas bon. Si l'échange n'est pas bon, ou qu'il est bon pour vous, s'il est bon pour vous, déjà, prenez-le comme quelque chose de suffisant. N'essayez pas d'en avoir plus, au risque de faire des erreurs. Et essayez de travailler ensuite avec ce développement. Si jamais vous voyez que l'échange est mauvais, dans ce cas-là, n'insistez pas avec un coup comme H3 et admettez que c'était un mauvais échange et commencez à envisager votre direction de jeu différemment. Et ça, vous le ferez à chaque fois, petit à petit, ça pourrait vous aider, je pense. Après, vous en faites ce que vous voulez, vraiment, je vous le répète. Et dans ce cas-là, il y aurait aussi autre chose que je peux vous conseiller pour cette chose-là. Ce serait d'apprendre des Fuseki, de la théorie, justement. Pourquoi? Parce que, justement, ce coup-là, il est inspiré, justement, par blanc. Parce que blanc ne sait pas, en fait, ce qu'il doit faire après sa pierre en F5. S'il avait besoin justement de renforcer sa théorie, ce qui arrive très souvent, ben ce serait pas un mal. Regardez par exemple, noir vient ici, d'accord, il n'y a pas de problème, et blanc joue là. C'est un coup de forme, vous me répondrez. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce coup-là? Ben, il menace de couper, très bien. S'il coupe, il coupe quoi? Il coupe un groupe déjà vivant, ici. Et son groupe est complètement faible. Possiblement, noir peut déjà capturer les pierres. Donc en fait, c'est pas une menace de coupe. Et ça, on le retrouve vraiment beaucoup à 2Q et à 1Q, hein, ces idées de faire des coups forçants en pensant que c'est sente à tout prix, alors que c'est pas ça du tout le sente. Et si on est obligé de jouer quelque chose dans ce goût-là, c'est horrible de devoir relier les pierres pour essayer de se sauver. Surtout qu'en plus, cette coupe n'aura jamais d'effet, parce que de toute façon, le groupe est déjà vivant dans le coin. Vous voyez un peu l'idée? Vraiment, essayez de vérifier cela. Et justement, je pense que apprendre un peu de théorie à 3Q, ça ferait un très grand bien. La théorie sur les Fuseki, des choses comme ça. Si vous voulez, je peux vous proposer un ouvrage. Alors, je ne sais pas si vous le verrez correctement. On peut envisager de vous l'approcher. Hein. Voilà. Alors, cette chose-là s'appelle l'ouverture chinoise. Donc l'ouverture chinoise, c'est quelque chose de assez récent, hein, dans les années 1960 en Chine. Enfin, ça existait déjà avant, en fait, en vérité, mais c'est en 1963 que, justement, en fait, il y a eu un affrontement comme annuel entre la Chine et le Japon. Et justement, en fait, le problème, c'est que les Chinois ont cherché une ouverture
qui les aiderait justement à prendre avantage dans les parties parce qu'en fait, ils étaient inférieurs aux Japonais dans les Shoseki, notamment à cause des Taisha, parce que les Japonais étaient très en avance sur les variations possibles, ce qui du coup inquiétait beaucoup les Chinois. Et ils ont démocratisé en fait cette ouverture qui porte aujourd'hui le nom de l'ouverture chinoise. À l'époque, ce n'était pas ce nom-là, justement parce que le 4 novembre 1963, si je me souviens bien, justement, en fait, ils ont ouvert, les trois Chinois ont ouvert devant le Japon une ouverture chinoise, sans exception. Et du coup, les journaux ont remédié ça, en fait, comme une ouverture chinoise. C'est un ouvrage qui est très intéressant, déjà pour les formes, et je pense que ça peut être pas mal, mais aussi, comme je vous ai dit, pour les fuseki. Parce que là, vous allez apprendre comment les pierres travaillent entre elles. C'est-à-dire, savoir jouer la forme, c'est bien, mais savoir à quoi amène la forme, c'est un peu mieux. Justement, c'est ça que je vous conseille quand je vous parle de regarder, en fait, qu'est-ce qu'un bon échange, qu'est-ce qu'un mauvais échange. Comme vous le voyez ici, par exemple, ça, normalement, noir ne devrait pas connecter, il devrait se dire c'est trop bon déjà pour blanc, je fais presque pas de points dans cette zone, il faut que je joue autre chose. Par exemple, envisager une pince là-bas. Qu'importe la pince, mais envisager une pince. Peut-être qu'on pourrait dire, mais si on se reconcentre et tout, et qu'on repince derrière pour mieux pincer la forme, c'est peut-être pas une grande idée, parce que quand blanc sort, en fait, non, on va devoir venir ici, mais blanc va tout de suite énuquer et jouer là, au 17. Mais c'est quelque chose qui devrait être envisagé. Vraiment. Essayez de... On appelle ça de l'optimisation. D'évaluer à chaque fois, à chaque fin de séquence, pour qui c'est ok, pour qui ça ne va pas. Et vous allez voir que votre goût du combat va être beaucoup plus précis. C'est-à-dire que vous n'allez plus engager en fait des combats désabusés, complètement désœuvrés. Vous allez rechercher ce qui vous plaît en fait. Parce que vous saurez évaluer ce qu'est un bon échange et ce qu'est un mauvais échange. Regardez par exemple, ici. Pourquoi blanc joue pas à R3? C'est un peu étrange, vous en conviendrez. Et regardez, blanc joue enfin l'œuf. Pourquoi noir n'a pas joué R3 à son tour? C'est la base de vie des deux groupes. Et ça, pour que ça fasse sens, pour que ce soit quelque chose d'assez évident, bien oui, la théorie ça peut faire du bien en fait, un petit peu. Et je pense qu'à 3Q justement, c'est votre force, c'est aussi votre faiblesse, c'est votre capacité d'imagination. Ah, bah justement ça va me faire la transition avec les 2Q, ce que j'ai appelé justement les coups forçants, regardez. Blanc fait un coup forçant, il était stable, hein, vous le noterez. Non, il n'était pas stable, il était vivant, à cause du coin, il est déjà vivant dans le coin. Il fait tout ça pour écraser le noir, qui était déjà aplati parce qu'il était sur la troisième ligne de toute façon. Et maintenant, noir peut double année. Il connecte. Il aurait pu aussi envisager J3 hein, pour continuer, en plus à envisager de sortir la pierre F3. Ça aurait vraiment été déplaisant hein, pour le blanc. Et blanc rejoint un coup de contact, d'accord. Qui ne le stabilise pas davantage, et qui en plus donne la vie à noir définitivement. Et il revient jouer avec sa femme. Apprenez aussi à... Voilà, c'est pour ça que j'aime pas les coups forçants. Parce qu'en fait, un coup forçant, on évite de jouer avec ça. Justement parce que ce n'est pas très bon. Et là, blanc est en train d'alourdir sa forme, qui est un peu étrange, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Et noir, justement, peut enfin attaquer. Donc comme je le disais, on va faire la transition du coup avec les joueurs en 2Q. Ça va être un peu plus original, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement des joueurs en 2Q? Eh bien, pour le jeu justement à 2Q, ici on arrive à quelque chose de qui commence, disons, à être compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, les bases essentielles, on va dire, de jeu, les bases élémentaires, semblent être apprises, et plus ou moins appliquées, dans les parties. Ça, c'est la première information qu'on a à 2Q. Et on retrouve justement, comme je disais, en fait, ce passage... Cette envie en fait d'être très dynamique et d'imposer la réponse à l'adversaire en genre de coup un peu sainté, enfin qui ont l'air sainté, comme vous avez vu le raison dans la partie que j'ai pu jouer avec un 2Q. Et du coup le problème c'est que pour moi cela ça vient d'une incompréhension du sainté. On a cette recherche de dynamisme, comme au 5Q, mais pas pour les mêmes raisons justement à cause de l'incompréhension du sainté. Et souvent ça amène à faire des coups forçants qui justement suppriment souvent des possibilités. Quelle possibilité? Bah, parfois de la G, parfois alourdir sa forme, donc ça ouvre à des points vitaux, comme on a vu avec la partie du Hangzhou par exemple. Et aussi ça retire par exemple des menaces de coup potentiel, des choses comme ça. Le sainté, alors là dans ce cas-là ça va être un peu plus abstrait, justement vu qu'on arrive à des niveaux plus élevés, c'est normal que les concepts semblent un peu plus abstraits.
C'est-à-dire que là, je pense que ce qui serait intéressant à DuckShoe, ce serait déjà d'apprendre à commenter des parties. C'est-à-dire ne pas simplement regarder des commentaires de parties joués par des pros et qui peuvent être commentés justement par n'importe qui, c'est très plaisant de faire ça, mais d'apprendre aussi des commentaires de parties qui sont faits par vous, où vous réfléchissez pourquoi ce coup-là est donné et pas un autre. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, on parlait d'incompréhension au CNT et je pense que cette incompréhension au CNT va pouvoir en fait trouver son explication de ce qu'est le CNT justement en regardant ses parties pro. Notamment un professionnel, lui, pourquoi il obtient souvent le CNT? Il faut se demander cette question. Bah, la raison en fait étant, c'est qu'il répond très rapidement à ses questions de base, c'est-à-dire la stabilité de son groupe. Il va répondre très rapidement. Quand il doit jouer une direction, il va trouver le coup qui est efficace pour retirer la direction. Il va pas chercher à faire plus ou moins. Justement parce que de cette façon, il va faire en sorte que toutes ses pierres soient solides, soient à chaque fois stables, donc que l'adversaire ne puisse pas attaquer, et par conséquent, du coup, l'adversaire sera obligé de jouer de façon complètement gotée. Voyez un peu l'idée? Et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'envisager à apprendre à DuckShoe, si on veut pouvoir commencer à progresser. Au-delà de ça, de regarder des parties pro, simplement, il y a aussi autre chose que je pense qui serait intéressant à regarder, justement, c'est répondre rapidement à ces questions de manière simple. Surtout, on évite en fait l'extravagance, qui manque souvent d'élégance. On va prendre une citation, je ne sais pas si vous l'avez. Et du coup, par exemple, voilà, imaginez ce coup-là. C'est un coup forçant, ça sert à faire quoi? Ben, on voit très bien, ça va servir à jouer en R3 pour ensuite arriver à un joseki de manière forcée. D'accord. Mais c'était nécessaire de jouer ce coup-là, vraiment? Le coin est si énorme que ça? Parce que si le coin est si énorme que ça, on peut jouer en R3, vous en conviendrez. Ou alors, dans ce cas-là, on peut simplement, si on imagine que donner sens à ces pierres-là a plus de valeur, j'ai un coup comme Q7 ou comme Q5. Voilà, c'est ça, répondre rapidement à sa question. Et si on peut continuer, regardez, voilà. Là, je pense que c'est plus un refus. Je pense que Blanc devait s'en rendre compte qu'il devait répondre en fait à sa question. Mais qu'il a simplement refusé de le faire, je crois. Oh, je vous prie de m'excuser, apparemment la musique s'est interrompue. Voilà, ce sera un peu mieux comme ça. Et justement, je pense que Blanc l'a fait exprès. Vous êtes d'accord, si Noir peint, c'est retire la base de vie, Blanc n'a qu'une seule direction et est faible. Donc normalement, Blanc doit répondre directement à sa question. Stabiliser le groupe. Que Noir vienne là, on s'en fiche, maintenant on est toujours stable. Mais on peut passer à autre chose. Autre chose. Voyez? Le CNT, vous allez le retrouver en fait sur le gotey. C'est un peu ce que MDZ en fait a tendance à dire. Mathieu Delezzotti, qui est un autre grand pédagogue. Et ouais, vraiment à DuckShoe, c'est vraiment ce problème de vouloir forcer les coups CNT. Où là, par exemple, vous vous rendez compte que Blanc commence à décéder dans son propre coin. Parce qu'il n'a pas voulu répondre à sa question. Et du coup, il se retrouve, là, comme vous le voyez, gotey à chaque fin de coup. Et là, il vole enfin l'initiative. Mais pourquoi je dis qu'il la vole? Regardez ce groupe-là. Si Noir envisage ne serait-ce qu'un Kéma ou un Boshi, c'est un groupe faible. Blanc refuse de répondre à ses impératifs. Ce n'est pas grave hein, s'il va envisager de perdre ces pierres-là. Mais s'il envisage de perdre ces pierres-là, ça veut dire qu'il accepte que Noir possède. Je ne suis pas sûr que Blanc ait vraiment envie de ça. Vous voyez cette idée? On ne vole pas un CNT. Un CNT, on l'obtient parce qu'on a répondu à nos questions. D'accord, imaginons par exemple le coup de contact. Ça, comme je vous l'ai dit, on aime bien les coups un peu forçants, hein, à 2Q, à 1Q. Mais il n'y a pas de problème, c'est juste que, ouais, parfois c'est vraiment des mauvais coups. Et Noir joue également des coups de contact. Pourrait très bien se dire qu'il y a de la G en jouant en C3 et ne pas se retirer la G et tout de suite venir récupérer ce bord-là. Hein. C'était pas son bord et il va réussir à faire environ 18 points. C'est quand même très satisfaisant. Et il faut aussi envisager que Noir, regardez, il a volé le CNT pour pincer la pierre de Blanc. Parce que ici, maintenant, si Blanc vient là, Noir est relativement stable, mais bon. C'est vraiment des combats qui sont extrêmement violents. Et ça ne devrait pas se retrouver. Admettons ce coup forçant là. Ça, par contre, je vois pas l'intérêt. Et en plus, voilà. Noir répond en capturant la pierre.
avec une coupe potentielle. Du coup, heureusement qu'il a fait ces échanges-là, parce que si un jour blanc peut couper, ben, en effet, il risque peut-être de décéder. Au lieu de juste faire l'angle plein. C'est vraiment quelque chose... Non, je suis désolé si ça fait pas plaisir, c'est parce que je suis un petit peu fatigué. Mais c'est vraiment quelque chose qui est impératif à comprendre, cette idée de sainteté. Et le sainteté, il ne réside pas dans des coups forçants ou des coups qu'on imagine obligatoires à la réponse, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça peut être très dangereux quand votre adversaire ne répond pas ce que vous pensiez. Et en fait, il réside à répondre à vos questions. Et là, vraiment, il faut aller voir des parties professionnelles pour vous inspirer de ces réponses qui sont vraiment données rapidement. Mais surtout, que vous les commentiez par vous-même. Vraiment. Votre avis va avoir énormément de valeur dans votre recherche. C'est parce que, comment dire, votre compréhension va comprendre par vous-même a beaucoup plus de valeur que si on vous l'explique. Parce que pour vous, déjà, ça fera partie de vous. Ça fera sens directement. Puis au-delà de ça, ça va vous faire beaucoup plus facilement progresser. Ça a l'air plus torturant, mais si vous regardez une heure de commentaires de partie fait par un pro et que vous faites une heure de commentaires de partie par vous-même, vous verrez que vous progresserez quand même plus avec une heure de partie par vous-même. Commentez. Vraiment. Et maintenant, on va terminer cette vidéo avec le 1Q. Le 1Q, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et c'est pour ça, justement, que je n'ai pas pris de, disons, de partie explicative. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le 1Q n'est pas spécialement beaucoup plus fort qu'un 2Q, mais il n'est pas spécialement plus faible non plus qu'un Dan. Et souvent, en fait, ce qui fait que le 1Q reste 1Q et n'est pas un Dan, c'est qu'en fait, il y a une des incompréhensions que j'ai pu vous citer avant, qui est à 5Q, à 4Q, à 3Q, je ne sais pas laquelle, elle est vraiment propre à chacun de ces joueurs. C'est pour ça qu'il faut faire du cas par cas à ce moment-là avec les 1Q. C'est-à-dire que eux doivent comprendre par eux-mêmes ce qui pose problème, quelle est l'incompréhension dans leur jeu, qu'est-ce qu'ils font de mal à chaque fois. Et c'est souvent un petit tic, en fait, un petit trait de caractère, on pourrait dire ça. Et du coup, c'est cette chose-là qui est héritée, il va falloir s'en détacher pour passer le niveau d'un Dan. Parce que vraiment, un Q, c'est vraiment très similaire à un Dan. C'est juste une incompréhension, une base qui n'est pas encore tout à fait comprise, qui aurait dû être comprise avant, qui fait qu'il y a un petit blocage qui se crée. Et c'est ce qui crée un peu la singularité, du coup, que Takehideo disait à un Dan. Ben, on commence justement, c'est pour ça que je dis que je pense qu'elle est contenue en germe, en chacun de vous, dès votre niveau Q. Parce que justement, bah vous le voyez ici, un Q, en tout cas, je suis arrivé à cette conclusion personnellement. Donc voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui aurait pu vous plaire ou quoi que ce soit. Si vous voulez des vidéos plus précises, parce que là, j'ai été très sommaire, on a été dans un résumé assez simple quand même. Dans ce cas-là, je vous recommanderais soit de me contacter dans les commentaires de la vidéo, ou bien de me contacter sur YouTube pour avoir plus d'éclaircissements ou simplement même pour discuter et passer un peu de temps libre à jouer avec d'autres joueurs et comme vous le voulez quoi. Et si ça vous a plu dans ce cas-là, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et vous remercier une dernière fois d'avoir suivi cette série. Bonne nuit à vous.